Bienvenue dans Simo Auto. Quels sont les symptômes d'un faible niveau de liquide de refroidissement? Le liquide de refroidissement sert à réguler la température du moteur en dissipant la chaleur produite lors de la combustion. Si le niveau de liquide est trop bas, la capacité de régulation de la température est réduite, ce qui peut entraîner une augmentation de la température du moteur. Si vous remarquez que le témoin de température sur le tableau de bord est allumé ou si la jauge de température indique une température supérieure à la normale, cela peut être dû à un faible niveau de liquide de refroidissement. Si le niveau de liquide de refroidissement est bas, les composants du système de refroidissement peuvent surchauffer et brûler. Cela peut produire une odeur caractéristique de liquide de refroidissement brûlé. Si vous sentez cette odeur, vérifiez immédiatement le niveau de liquide de refroidissement dans votre voiture. Vous pouvez également remarquer de la fumée blanche provenant de l'échappement de la voiture. Le liquide peut pénétrer dans les cylindres du moteur et être brûlé avec l'essence. Cela peut produire une fumée blanche qui sort de l'échappement. Si vous rencontrez l'un de ces symptômes ou si vous soupçonnez que le niveau de liquide de refroidissement est bas, voici ce que vous pouvez faire. Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement à froid en vous assurant que le niveau est entre les repères minimum et maximum. Si le niveau est bas, ajoutez du liquide de refroidissement de la même couleur que celui déjà présent dans le réservoir. Assurez-vous de vérifier régulièrement le niveau de liquide de refroidissement dans votre voiture, surtout avant de partir pour un long trajet. Si vous rencontrez des symptômes de surchauffe, arrêtez votre voiture immédiatement et faites-le vérifier par un professionnel.